Hey! Oh! On va lancer la guerre là! Entrez! Battlefield, tout ça! Allez, let's go! Bon, j'espère que tout le monde va bien sur le campus de cette Salty Academy. Merci infiniment. Et nouvelle vidéo du coup aujourd'hui pour la présentation, courte présentation, présentation assez sommaire puisque on est sur les premiers stages de la bêta du jeu. Donc il y a encore pas mal de choses à mon avis qui vont être amenées à changer dans le futur. Mais courte présentation de ce que vous pourrez normalement rencontrer au niveau des véhicules sur cette bêta avec vraiment des nouveautés vraiment sympathiques par rapport à bien évidemment BF5 et BF1, mais surtout BF4 au final, puisque on le sait, la plupart des véhicules qu'on avait connus alors sur BF3 et 4, eh bien, se retrouvent aujourd'hui, ou certains en tout cas s'apparentent aux véhicules qu'on a connus par le passé. Alors les véhicules, en l'occurrence, vous pouvez les avoir ici. C'est vrai que c'est pas le truc le plus simple, je pense que ça, ils vont le changer hein, dans le futur, juste à côté de son HQ, le headquarter, le QG. En ouvrant donc ce menu, on nous explique quel est le nombre maximal de véhicules qu'on pourra avoir sur la map à un instant T. Comme vous le voyez, on pourra avoir 6 véhicules de scout. Il y en a à l'heure actuelle 2 qui sont activés. Il y en a donc 4 qui sont encore disponibles. Là, 0 sur 2 disponibles. Ils sont très certainement soit sur la map, soit encore dans leur cooldown. Il me reste la possibilité d'avoir un Little Bird et ou un avion de transport. Le Little Bird étant considéré non pas comme un avion d'attaque ou un hélicoptère d'attaque en tout cas, mais comme un hélicoptère de transport. Mais vous le verrez, il fait comme sur BF3 et comme sur BF4 surtout, et bien énormément de dégâts. Je serais pas surpris d'ailleurs qu'il soit nerfé. Le véhicule de transport de troupes, là pour le coup, c'est une grosse nouveauté, vraiment très très sympa à jouer. Donc il faudra faire le choix dans cette catégorie de transport aircraft, donc de véhicules de transport. Est-ce que je veux plutôt partir là-dessus ou est-ce que je veux plutôt prendre un Little Bird? Pareil pour les attaques aircraft. Bien évidemment, ce numéro, ce chiffre dépendra, comme on l'a déjà vu par le passé sur les Battlefield précédents, ce chiffre dépendra de la taille de la map, bien évidemment des paramètres de la map, etc., etc. Là, en l'occurrence, on va attendre qu'un véhicule plutôt de type Little Bird, pour moi, soit disponible. Et dernière possibilité, après les véhicules de transport aérien, les véhicules d'attaque aérien, où l'on recoupe effectivement, là vous le voyez, les avions et les hélicoptères sont considérés comme des véhicules d'attaque aérien, eh bien, il y a... comme vous le voyez, il y avait les armoires de véhicules, donc à savoir les chars d'assaut et ou autres véhicules blindés légers. Nous y voilà sur un AH-64 Apache 6-4. Du coup, si vous demandez d'où venait le pseudo, eh bien ça vient de Battlefield et ça vient de cet hélicoptère en l'occurrence. Donc je serai amené très probablement à l'utiliser dans le futur. En l'occurrence, c'est une version longbow qu'on voit. Bon, ça, c'est pas vraiment très important, mais c'est un radar hein, qu'on voit au-dessus du rotor principal. Assez sympathique. Donc, allons nous amuser un peu, même si on se fait lock-on dès le début. Et voyons voir un petit peu ce que donnent ces véhicules. Alors, c'est un peu plus lourd que sur BF3, BF4, quand même. Les sons sont très sympathiques. Va falloir s'y faire. Il y a une inertie qui est différente. Hein. C'est pas tout à fait comme BF3, BF4. Là, pour le coup, BF4, ça ressemblait vraiment à BF3. Quand on prenait un Little Bird, on retrouvait tout de suite. Là... Pour les personnes qui ont l'habitude d'avoir des véhicules de type hélicoptère, comme moi c'est le cas, bon, on n'est pas perdu, mais il y a quand même quelques ajustements qu'il faudra faire. Hein. On ne pourra pas se permettre de passer dans les tunnels dès le début, hein, même si on va essayer tout de suite de le faire. Mais ça va être compliqué à mon avis. Parce qu'il y a une inertie qui a bien changé par rapport à avant. C'est pas tout à fait pareil. Ouais, mais si. Est-ce qu'on est le premier mondial à faire ça? Allez, je vous invite à faire la même à la maison. Easy peasy pour la première fois que je teste l'hélicoptère du coup. Et c'est parti pour le coup pour la présentation de cet appareil, de cet engin. Donc qui est assez marrant, hein, bien évidemment, comme on peut s'en apercevoir. C'est pour ça que je le laisse en vue externe, même si moi j'ai vraiment beaucoup de mal à piloter avec ça. C'est moitié un avion, moitié un hélicoptère, et il se pilote comme tel. Pas le plus simple, donc beaucoup plus lent, certes, mais une puissance de feu bien supérieure, puisqu'on a 4 gunners du coup, avec différents calibres. Et vraiment très très sympa à jouer, donc pas forcément pour le pilote, mais bon, même si moi ça me fait relativement plaisir. Mais surtout pour les gunners, qui peuvent se faire vraiment plaisir, comme on l'entend sur le côté.
Et les avions, bien évidemment. En l'occurrence, là, c'est un F-35E Panther. Donc, très sympa quand on aime les avions, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais vraiment une grosse maniabilité, vraiment sympa, qui ressemble énormément à BF-3 et BF-4. Même si, comme vous voyez, il y a un petit retour qui n'existait pas avant sur BF-3 et BF-4 pour les plus puristes d'entre vous. Présentation du coup du Little Bird, que là, pour le coup, on ne présente plus sur BF-3 et BF-4, qui fait énormément de dégâts, malgré le fait qu'il soit considéré comme étant un véhicule de transport de troupes. Vous le verrez avec ces canons qui ont changé par rapport à avant, même si c'est toujours la même logique. Pareil pour le piloter, c'est plus trop la même chose. En revanche, ces roquettes font extrêmement mal. Des roquettes du coup qui font vraiment très très mal quand elles sont bien utilisées. On continue du coup avec la présentation des véhicules. Cette fois-ci, on est du côté des Russes. Alors, il faut s'en rappeler sur le jeu, quel que soit le fait que vous soyez US ou russe, vous êtes toujours en turquoise et les ennemis sont toujours en rouge. Donc, armor de véhicule, le voici, les chars d'assaut, qui sont extrêmement bien modélisés, qui sont vraiment hyper agréables à jouer en plus. On a vraiment une grosse inertie. Honnêtement, de tout à l'heure actuelle, de tous les, comment dire, les véhicules que j'ai pu tester, c'est vraiment le char d'assaut qui m'a le plus séduit. Je suis pas vraiment un gros joueur de chars d'assaut, on les utilisait pas mal sur BF3 et sur BF4. Donc le char d'assaut avec son canon principal. Bim, magnifique celui-là. Sa mitrailleuse en secondaire, parfait pour l'infanterie, et le smoke screen pour s'enlever des situations les plus désagréables. Et merde. Autre véhicule du coup disponible. Donc grosse différence entre les Russes et entre les US. Sur la partie transport aircraft, l'hélicoptère massif de transport qu'on a ici, c'est un Mi-240 Super Ind. Alors que les États-Unis, comme on l'a vu, on se mixe entre un avion et un hélicoptère. Et qui est très sympa et qui se pilote à peu près aussi bien que ça ne se pilotait sur BF3 et BF4. Malgré le fait qu'il y ait toujours cette petite inertie, c'est-à-dire l'impression que ça ne réagit pas tout de suite aux commandes, mais ce qui rajoute une impression de lourdeur pas désagréable. Le véhicule scout, quant à lui, bon, vous l'avez compris, c'est l'équivalent des jeeps de BF3 et BF4 qui se conduisent exactement pareil. Regardez le détail en revanche sur le tableau de bord qui est assez insane et assez sexy, on va pas se mentir. Qui se conduit vraiment de la même façon que sur BF3 et BF4, avec la possibilité en appuyant sur la touche C de changer facilement entre une vue interne et une vue extérieure. Donc vraiment très sympa. On va voir un peu si on peut l'utiliser comme un vrai 4x4. Est-ce qu'il y a une belle physique sur le... Ouais, sur les roues, c'est vraiment très sympa. L'impression quand on conduit, ça allait vraiment insane. Et quand on écrase des gens aussi. A noter en tout cas que sur cette map, du coup, les Russes aussi disposent de leur MD-540 Nightbird, que tout le monde appellera Little Bird, je pense. Dont on a déjà parlé, très sexy, très sympa à piloter. Et avec des roquettes qui sont vraiment dévastatrices. L'hélicoptère de combat, comme vous pouvez le voir, c'est le fameux le K-520 Super Okum avec son double rotor. Pour la petite anecdote, ce qui est assez ouf, c'est que cet hélicoptère, pour ceux qui connaissent les hélicoptères un petit peu, a une particularité. Son double rotor permet en fait, avec une action physique, d'enlever le petit rotor à l'arrière. Et l'autre particularité, c'est qu'il a un siège éjectable. Mais alors, pour que le pilote et le gunner puissent s'éjecter, eh bien, il faut que d'abord les rotors soient éjectés eux-mêmes. Autrement, bonjour le HI Parmentier. Mais ça, c'est vrai. Allez, on va voir ce que ça peut donner ici. Boum! Et ça fait 3 morts ici. Donc c'est tout pour cette vidéo pour la présentation des véhicules. Il y aura très certainement beaucoup plus de contenu, ou alors en fonction des maps, des changements par rapport aux véhicules, tant en nombre que en style, si je puis dire. Il y aura à mon avis des véhicules qu'on n'a pas encore vus. Merci infiniment, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu si vous avez aimé ce genre de vidéo. On va pas mal faire de vidéos sur Battlefield 2042. Le jeu est vraiment très très cool. Il y a encore beaucoup de choses à présenter. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et s'il y a des choses justement sur lesquelles vous aimeriez revienne, n'hésitez pas à nous le mettre dans le commentaire. Merci infiniment. À plus tard. Et n'oubliez pas, twitch.tv/64, 15h tous les jours. Ciao tout le monde.